C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous croiser sur Chanel Paul. Chanel Information et Analyse sans fausse côté. Nous voyons monter jeudi, c'est vendredi, week-end a commencé. Toujours songez ça, pas boire. Si vous conduisez, pas conduire si vous boire. Veillez côté vous mettez bio à terre piégé. Ma profite saluer chaque grain d'amis qui branchait émission n'importe côté où y est sous la terre bénie. Nos amis de l'Amérique du Nord, amis États-Unis, Canada, New York, amis Europe, New York, amis République Dominicaine, New York, amis qui n'a Amérique du Sud, amis qui n'a Caraïbes, n'importe côté où y est, des pour brancher Chanel, des pour brancher émission Mon Éditorial, chapeau bas. Ou également nos amis de l'Afrique, ah oui, qui m'a profité saluer Johnny, qui se fait un plaisir de regarder l'émission avec nous. Et c'est bien, c'est beau, c'est vraiment intéressant. Merci, merci pour l'amour nous, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Et me garantis nous l'amour pour nous, c'est inconditionnel. Même j'aime qu'on est nous même de manière inconditionnelle. N'a toujours là pour supporter travail là et côté travail là pencher n'a briser et n'a toujours aller ensemble sur chemin développement, sur chemin progrès main en main n'a fait route là. Rapide vite, oh avant m'aller, faut moi dis nous jeudi on pas porter cadeau pour nous. Weekend a commencé par un cadeau. Ça c'est plus minute qui pour gérer, c'est Zeus of Moringa qui pour gérer, qui pour ban cadeau pour bail fanatique. Et en passant, ou même qui besoin minute pour téléphone ou même qui besoin recharger téléphone aux amis qui Haïti ou même qui besoin voyer mon cas jouer minute pour moi pas hésiter nous mettre contacter avec plus minute pour recharger téléphone ou bien téléphone aux amis en proche nous si nous besoin ça il faut nous contacter faut nous faire ça et rapide vite n'a pas rentré dans émission nous pour jeudi. Gouvernement consensus Ariel Henry SDP avec accord PP yo a kout la et tout bagay censé fin pari en pile non gen tap cité dans cuisine politique là la grande question est-ce que sénateur Joseph Lambert finalement décidé faire la paix avec Ariel Henry et li pral rentrer dans gouvernement li pral faire partie de pouvoir. Haïti est à failli, est à gangsterisé versus République Dominicaine est à dominant. Qui côté différence là entre deux pays ça yo et qui réelle menace République Dominicaine représentée pour Haïti, c'est un point qui est extrêmement important pour nous analyser ensemble et pour nous comprendre tout. Dans la rubrique qui sort les comme d'habitude, c'est au même qui parler, c'est au même qui pral vinzim. Qui sauve les pour Haïti, qui sauve les pour communauté, hein? Ou pral vin pote doléance ou yo, ou pral vin parler, vin expliquer, ressenti, ou vin faire émotion passer. Avec notre 3896, 3819, numéro a pas changé. Pas hésiter, voyons un message, qui ton voice pour dire qui sont ressenti, qui sont pensé, qui sauve les pour Haïti. Et en passant, pour les amis qui a fait mon reproche que vous voyez message ou pas passé, moi me tout dit non ça. Message fort nous objectif là-dedans. Nous pas qu'avoir un message côté que et c'est vulgarité, c'est jouer n'a jouer, c'est la vie moun n'a menacé, c'est sûr que m'pa passer pour nous. C'est pas que m'a travaille pour opposition, mais m'a travaille pour voir d'ailleurs dans pays là pas une opposition politique. Donc moi-même gon ligne m'a suivre avec émission, c'est respect avant tout. Et en dépit de tout ça, je dis en la loi voyez un message, va pas enregistrer un message, faut qu'assure que pas gain bruit. Faut qu'assure pas gain bruit, pas gain musique en balle, faut feedback yo bon pour message pour le passer dans émission. Donc ou même qui gon message ou voulez faire passer assure que message pas dépasser 3 minutes, message li pas gain bruit là-dedans, message pas gain vulgarité, pas menacer la vie ou etc.
On va dire exactement ça on gagne pour dire qui concerne pays qui concerne changement qui concerne et autorité politique etc. Déjà là m'a invité au partager émission avec tout contacou nous pral voir les pays nous pral faire débat et surtout nous pral dire exactement ça pour nous dire nous pral fourer droit dans ma ligne nous pral toucher player dans niveau pour nous mal là. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, oui, chez Chanel Paula, pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Je santé annoncé dans le commencement de l'émission. Gouvernement de consensus là, il est presque prêt. Les carottes sont presque cuites. Monsieur là s'est rencontré après rencontre multiplié. Nous pas attendu André Michel, nous pas attendu Daniel Kassi, nous pas attendu Joseph Lambert avec Akop et Penian, nous pas attendu Akop Montana. Et bien monsieur s'est rencontré après rencontre multiplié. Faut qu'il connaît comment il va gérer le portefeuille ministériel, faut qu'il connaît comment il va gérer la direction générale, qui est à mettre, qui est à bas, etc. Et par-dessus tout, par-dessus le marché, je dis en là, il y a une personnalité qui est extrêmement importante, qui sorti dans l'entourage Joseph Lambert. L'on a parlé de Hannibal Kofi, je dis Hannibal Kofi qui est lié, c'est ancien chef cabinet Pierre-Michel Lapin. Pierre-Michel Lapin, c'est ancien premier ministre Jovenel Moïse. Hannibal Kofi, c'est chef cabinet sénateur Joseph Lambert. Joseph Lambert, nous songe à plusieurs reprises, les raté occasion pour être président pays, en président provisoire, pour le descendre dans le Parlement. Genève fait le cours, il n'a pas d'interprété serment. Donc, c'est toujours un tralala. Jusqu'à ce que Litevin prend, Lambert prend position flagrant, position publique par rapport avec Ariel Henry, il faut qu'Ariel Henry démissionne. Question à poser aujourd'hui, est-ce que le fait pour Hannibal Kofi, qui c'est un proche, qui son collaborateur, sénateur Joseph Lambert, aujourd'hui, c'est non capacité comme éventuel ministre de la Justice, qui approche Joseph Lambert par rapport avec nouveau gouvernement de transition ça, qui positionne Lambert par rapport avec nouveau gouvernement de transition ça, est-ce que le bail est gain, est-ce que le fait la paix, est-ce que le d'accord finalement que le père du bataillon que pas gain occasion pour occuper fonction de président de la République. Là, nous tout ouel. Nous nous en situation qui est extrêmement compliquée. Ancien DG la police en Léon Charles, il pas de cabaye résultat li a li. Nous avons actuellement là nouveau DGAIA, Franz Elbe. Qui démarche qui gagne par rapport avec insécurité, par rapport avec gang qui a terrorisé la population, par rapport avec bandits qui occupent rentrée sud pays, nada. Donc là, Franz Elbe lit déjà avec un gros obstacle de vol. Mettez un nouveau gouvernement dans le moment ça là, mettez un nouveau ministre de la Justice dans le moment ça là, ça nous gagne là son popétoile, son acteur cinémalier, c'est film qu'a fait avec Kitel, donc Kitel lui-même question la justice elle pas qu'à gérer ça même d'ailleurs c'est pas même domaine. Donc nous avons un contexte qui est extrêmement difficile. N'importe ministre de la justice qui vient là la une situation qui est compliquée devant lui. Comment on pral coordonner système justice, comment on pral et agencer tribunal yo, comment on pral travailler de concert avec la police pour marrer bandi, pour bandi yo passer devant juge pour yo condamner pour aller en pénitence etc. Ça son travail qui compliqué. Et nous face avec un groupe politicien, nous face avec des acteurs politiques yo même qui pas aucun intérêt avec pays, hein. Tout ça envisager là, c'est comment yo pral prendre pouvoir, c'est comment yo pral occuper en fonction, comment yo pral remplir poche yo pour yo aller. Ça qu'a préparé yo pour élection, ça qu'a préparé l'argent, budget etc. C'est avenir politique yo a préparé. Yo pas préparé changement, yo pas préparé et on mieux être pour population, yo pas préparé nouveaux conditions de vie, yo pas préparé rien qui gagne pour avec bien-être peuple haïtien. Que le té peine, que le té accord Montana, que le té SDP jodi en là avec Ariel Henry, nous nous en situation qui est extrêmement difficile.
pas attendre nous que un nouveau gouvernement va changer rien dans ça qui gagne pour eux et avec mauvaise vie, mauvaise situation avec insécurité nous gagne là. Parce que yo pas en mesure d'ailleurs moun sa dans politique depuis bien longtemps. Moun sa yo vinn faire l'argent, yo vinn faire vieux dans politique. C'est comme si jeunesse là yo même yo pas gain accès, jeunesse yo même pas gain capacité, yo pas gain compétence, yo pas gain palmarès pour occuper fonction ministériel, yo pour occuper poste ministériel, yo c'est toujours les mêmes têtes. Que te fait partie de société civile là, c'est toujours même moun yo. Que te fait partie de opposition politique là, c'est toujours même moun yo. Que le fait partie de gouvernement qui a renouvelé constamment, c'est toujours même moun yo. Toujours gen même danger yo, toujours gen même enjeu yo, toujours gen même problème yo et jodi an la problème yo yo empiré. Mais faut gen yo encore qui joine faut gon gouvernement de consensus qui monte, consensus ça dans intérêt qui est. Consensus ça avec qui est. Gen division permanente, gon division continue en dedans et dans classe politique là par rapport avec différents groupes moun k'ap bataille qui pas qui pas décidé mettre yo ensemble là. Même l'entendé a parlé de gouvernement de consensus. Gouvernement de consensus, c'est son gouvernement qui a restreint par rapport avec moun ki pi influent yo. Moun ki pi influent je dis là. C'est ta pensée yo. L'o prend encore peine qui est lié Joseph Lambert. L'o prend et Montana ou un groupe Lavalassin. L'o prend SDP ou André Michel Nenel Kasme sur ça qui déjà dans pouvoir depuis bien longtemps, il a bien passé. Par rapport avec position moun sa ou, par rapport avec avantage ou gen longtemps y a tiré là, faut que ta vin di population haïtienne nan, mais ki bilan nou fait, mais ki sa nou te gen tan pran, mais comment nous désavantager nous, mais comment nous gaspiller, nous gagoter l'argent l'état et mais ki sa nou vle. Jodi an ou pa wè bonne volonté, an pa bon côté acteur politique yo. Ou est tout nèg si on façon y a fait pour assurer rien yo dans prochaine élection qui vient là pour gagoter gagoter faire l'argent pour y aller. C'est exactement ça lié. Ou organe insécurité là tout monde a parlé de insécurité. Mais jamais posons action pour d'où y a retirer pays en dans ça lié là, jamais venir avec un plan pour d'où mais comment et question gangsterisation ont commencé, mais qui est sur identifié comme acteur que dans société civile, que dans secteur privé, que dans scène, que sur scène politique là, même on yo identifié cap ba exam dans ghetto, cap ba exam, cap ba jeunesse sans âme, armée etc. Y a pas jamais venir pour d'où mais qui est parce que c'est eux même encore. Moun sa yo ki sou sen politik lan la, yo gen lontan y a fragilize l'état, yo gen lontan y a fè sistèm za, yo a bay sistèm nan jaret, sistèm korompu sa, sistèm ki dezavantaje ti malere zan, sistèm ki enkompatib avèk progrè, ki enkompatib avèk devlopman peyi an, yo gen lontan y a bay jaret. Et c'est même yo même jodi an la qui ont une situation décisionnelle qui la k'ap prend décision pour ou k'ap prend décision pour moi à quel fait nous pas konnen. Au moins si décision que yo te chita k'ap concocter ensemble, si décision yo te chita y'ap prend là pour yo mettre un gouvernement de transition, si yo te fait l'intérêt pays an. Si on te fait l'intérêt population haïtienne, si on te fait l'intérêt moun ki nan quartier populaire yo, si on te fait pour mettre assistance sociale, pour te mettre un plan de développement urbain ou bien communautaire, tout dépend de zone nan, nous t'a dit au moins qu'on travail sérieux qu'a fait, qu'on travail sérieux yo envisager. Mais c'est pas le cas. Nous avec un groupe nèg, nous avec un groupe acteur politique qui fragilise pays hein, qui fragilise jeunesse hein, qui mette nous dans situation côté que yo fort par ou par aimer tel ou parler ou tel puisque li non position qui supérieure avec ou même par rapport avec redil travail là, redil travail là, c'est pas un cadeau André Michel te fait, c'est pas un cadeau et opposition politique ou bien pouvoir te fait li. C'est expérience que l'te gagne, c'est travail de travail et jodi an nèg examen li cible nous, li cible nous parce que nous non pays, yo fè yo comprendre que nous différents de yo. Et ces zam nan, groupe nèg sa aujourd'hui an ki gen zam nan men yo. Qui vle instaurer un climat de terreur en dedans pays, qui instaurer un climat de terreur en dedans pays, faut que yo connaît. Malgré yo vle faire passer une idéologie, yo vle faire passer des revendications qui peut être à la base juste. Mais idéologie,
Idéal de sa ligne côté abdou coupé tête boulet caille fox système changé etc. On nous garde sérieusement. Si jodi an la nous touchons pas idéal de sa lumière, tout nèg sa qui te gen zam nan men yo, t'a pral chercher grand planteur. Yo t'a pral chercher moun ki ba yo zam nan, yo t'a pral chercher véritable acteur qui kembe pays an roge, qui kembe système nan, qui empêche et li déraper, qui empêche système nan débloquer, décoller. C'est eux même t'a pral attaquer. Yo pa t'a pral attaquer moun ki semblé avec yo. Yo pa t'a pral attaquer malheureux malheureuse k'a fait mortissant. Yo pa t'a gen intérêt jodi pour yo bloquer distribution gaz. Yo pa t'a gen intérêt pour yo kidnapper, violer jeune fille etc. Pa t'a gen aucun intérêt parce que yo konn ki est yo ciblé. Yo konn ki est ki gangsterize pays. Yo konn ki est ki armé jeunesse. Yo konn ces acteurs politiques. Yo dou c'est nèg dans secteur privé. Yo dou c'est intel. Nous konnen yo, c'est yo qui fait pays en mal, c'est yo qui ba nous. Mais pour qui ça? Zamzan obligé retourner contre moun ki semblé avec nous, contre frère nous, contre sœur nous. Parce que nous avons un objectif clair, nous avons un objectif qui est déterminé par rapport avec Mounzao, nous les politiciens, par rapport avec Mounzao qui armé nous. Non seulement nous avons réalisé plan macabre, on paquet nèg qui a enrichi sous dos nous, mais nous-mêmes tout, nous avons propre intérêt, nous avons exécuté plan pour nous. C'est pas une question de politiciens seulement qui mettent Haïti côté lié là, c'est pas seulement et opposition politique, c'est pas seulement pouvoir. C'est choix nous comme haïtiens, c'est choix nous comme jeunes qui choisit prendre zam, c'est choix nous comme haïtiens qui fait silence, qui choisit à regarder comment pays a évolué, comment pays a déroulé, comment la main bra le sortir dans le ciel pour libérer Haïti. Donc si nous quitter à chaque occasion nous joindre pour nous retirer pays, pour nous soulever, pour nous rebeller, nous pas faire rien, n'a toujours un groupe nèg qui chita Montana croiser pied yo et puis tout yo pral bon encore yo prele l'accord Montana. Yo a bon encore côté que yo pral planifier en transition 2 ans et puis après Abdou al pas bon pour 2 ans ba nous pour 3 ans. Un groupe nèg k'ap vini k'ap djou que m'gen droit pour me déclarer la guerre alors que constitution li dou qui est qui gen droit pour déclarer la guerre tant qu'on rien en rite fait. On groupe nèg k'ap vini k'ap dou comme ça, c'est eux même qui k'ap craser CEP pour yo monter l'autre CEP en dehors des principes constitutionnels. On groupe nèg k'ap dou CEP k'ap pas quitter la son CEP Champoil, yo même y'a vini avec un CEP Champoil pa yo, y'a vini avec un gouvernement Champoil pa yo qui prend naissance à partir d'un paquet d'accord Champoil. C'est exactement ça lié. You na encore ça yo pa gen aucune légitimité. Puisque moun sa ou ki choisi chita pou yo dou yo pral parler pays pou yo dou yo pral chercher une entente pour retirer pays nan sa li alors que yo contribuer largement nan mete Haïti côté li an ki doit yo côté yo joine liberté ça côté yo prend toute latitude ça pour yo dou yo pral prendre décision nan non yo pral prendre décision pour vous n'a saisi pour nous ouais. Ça pas étonnant pour nous un nouveau gouvernement de consensus ça qui pral venir sous table là et puis quelques jours après pral tande Maurice Jean-Charles te gagner et trois ministères là-dedans que Lambert finalement décidé de renoncer définitivement avec folie président là-dedans yo bali et quatre ministères yo bali trois directions générales yo ba yo port etc. Comme ça toujours fait. Son habitude, il y a toute habitude service en dedans pays. Ou un président légitimement élu, c'est comme ça parlementaire négocier. C'est comme ça opposition politique négocier. Et pas dans transition, on t'a venir faire autrement. C'est pas pendant dans transition pour t'a bailler pays à une chance alors que transition nous non là nous non pays côté que pas gain parlement, nous gon parlement qui dysfonctionnel et l'op prend le cas de premier ministre Ariel Henry l'a dirigé l'a prend décret par s'il prend le décret par là libéral pour arrêter etc. Donc il gagne plein pouvoir li nommel il gagne plein pouvoir pour le révoquer il gagne plein pouvoir pour le nommer il ca fait ça les gens le pas gain compte pour le rendre à personne monde et c'est dans logique pas gain compte pour le rendre à personne monde ça qui fait jodi hein. Ou gen un SDP qui rentre en bas avec Ariel Henry non souci côté que pour échapper avec la justice quand même. M'pral pran exemple simple. Nan pays sérieux. Est-ce que jodi an la groupe SDP an André Michel yo tap gen toute légitimité ça pour y parler dans micro la presse, pour y à l'aise comme ça alors que
du temps de Jovenel Moïse. Et même André Michel, ça, la pincité moun pour le doule pral ka Jovenel Moïse, li pral de chouke, la prête du pays ensemble, et même sous Sanza ou la combat jusqu'à ce que le voyage Jovenel Moïse allait. Nan pays sérieux. C'est pas seulement le prend manchette, yop di pral faire révolution, non, pour nous, c'est incitation à la violence. Quelque part, moi, je me toujours dit ça, Jovenel, te gon. On douceur dans lui-même, il était une petite passivité dans lui parce que quand tu dis persécution politique, quand pas dit persécution politique, il y a quelques exemples qui t'ont mérité pour tracer dans la République. Nèg ici prend trop liberté, nèg ici bay tête trop droit. Yo senti yo tellement à l'aise, yo dit ça, yo vle jan yo vle, alors que l'Abdouli c'est avocat peuple, mais comme ça la loi dit, comme ça la constitution dit, etc. Mais lui-même, il pas contre liberté parole, il commence, il pas contre liberté parole, il fini. Donc, qui sont vous voulez comprendre? Qui ça vous voulez nous comprendre aujourd'hui par rapport avec le groupe Mounsao qui dit qu'il prend une décision pour le peuple? Qui l'a pris une décision pour un peuple alors que le peuple ça a participé dans le complot, a participé dans le dépravé jeune, a participé dans créer une division dans le pays? C'est le peuple qui veut défendre aujourd'hui. C'est le peuple qui a demandé à cause. C'est le peuple qui a demandé et qui a choisi pour nous mettre ministre. C'est le peuple qui a choisi pour nous mettre direction générale. Pour nous voir mon aller, pour nous mettre non en liste. C'est malhonnête. Et c'est pour ça que le président Jovenel Moïse a oublié ce principe. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Sinon, s'il était appliqué, aujourd'hui, la SDP est consort, que le André Michel est allié. Il n'y a pas de jambes dans la figure, il n'y a pas de jambes sous le monde aujourd'hui pour apprendre tout le cul peuple, pour apprendre des anal nous. Côté de la pied. Il n'y a pas exactement côté pour lui, il n'y a pas de limite 5,50 m. Un groupe nèg qui passe tout le temps ça, crase un pays. Un groupe nèg qui passe tout le temps ça, empêche petit malheureux, malheureux, pas à l'école. Et puis petit paio, il y a à l'étranger, il apprend éducation, il y a à l'aise qu'on blaise. Et puis je dis, c'est eux-mêmes qui ont légitimité en dans le pays pour prendre décision pour la population haïtienne. Non? À qui figure? À qui figure nous-mêmes nous tolérer, nous accepter sous le monde, nous accepter pour prendre un micro, pour adresser avec nous. C'est une honte. C'est une honte. Moi, je dis toujours, dans la cause politique, pas de demi-mesure. Soit opposant politique, ou bien travailler pour le peuple. D'ailleurs, nous pas trop connaître légitimité Ariel Henry. Nous pas trop connaître légitimité Jovenel Moïse malgré le te insulté sorti dans élection. Nous tout te connait le te participer dans élection, te gagne élection. Nous pas trop connaître lui. Jodi Ariel Henry, li prend naissance à partir de gouvernement Jovenel Moïse te décidé mettre sous pied puis jodi nous pas gêné parent, nous entre en base Ariel Henry pour ça. Nous connait faiblesse Ariel Henry. Ariel Henry peut-être li gon bagay pour le reprocher, li vle collaborer avec nous et puis li là avec nous. Mais faut que peuple commence à comprendre jouet ka fait là. On jouet coquin ka fait. Son jouet coquin dans politique politicien nous on pas qu'être coquin. Yo m'en vous ben au sans coucha au coquin, yo volé. Casser point peuple là, prend l'argent on a prend l'argent peuple là et puis sans que nous-mêmes nous pas prêts pour nous faire ba nos réparations, nous pas prêts pour nous revendiquer ça pour nous de droit, nous pas prêts pour nous voyer monsieur ça au côté ou doit aller dans pénitencier national. Nous pas pénitencier, c'est seul pour monde qui voler, pour voler, pour kidnapper, assassiner, ça rien lié. Non. Politicien ça pas gain pareil. Politicien dedans pays ça pas gain pareil. Nèg la tande sénateur li gen présomption culpabilité sous cause kidnapping. Ou tande chauffeur la dite nan kidnapping. Ou tande li gen dossier drogue sou li. Ou tande yo dou li se yon politicien haïtien qui effrontément corrompu. Donc jodi an nou a l'aise pour nous dire que et moun sa yo c'est yo même qui fait politique, c'est yo même qui se représentant nous, c'est yo même nous pral bay vote nous, c'est yo même qui gen aspiration pour président dedans pays, nous pare pour nan voter yo tout. Eh bien population haïtienne ça nous-même nous gon problème, nous gon problème mental, nous gon grave problème et n'oublier rapide, n'oublier trop rapide. Là faut que nous rentrer dans logique pour nous songer, bay oublier pote mak songer. Faut que nous commençons à détacher nous de vous voler ça. Faut que nous connaissions que, on pas qu'être nègre, l'autre de à quoi, de à quoi ça, toujours un piège. De chaque accord, tant de xian dedans pays, ça, toujours un piège. Parce que monsieur connaît parfaitement bien ses intérêts, ses intérêts de bourgeois, ses intérêts d'hommes, ils viennent défendre. C'est même, j'entendais, et avant-hier là,
Le chat d'Henri Becker dit au lieu de transition 2 ans, il faut transition 3 ans. Parce que lui, il y a intérêt dans la transition. Chaque monde qui prend position aujourd'hui, là, ou est cap soutenir Ariel Henry. Il n'y a pas soutenir Ariel Henry pour permettre à ce que le pays a marché bien. Il n'y a pas soutenir Ariel Henry pour permettre à ce que l'insécurité a stoppé, pour permettre à ce que l'instabilité a stoppé. Yo a soutenu parce que yo gen un intérêt, yo gen intérêt exclusif nan Ariel Henry. Voilà tout. Nous face avec un groupe acteur politique, on paquet censuré. Donc nous même jodi an, c'est nous même, c'est nan corps nous malin nan, c'est nous même qui a prélé et de m'baiser et de m'baiser et de m'baiser. Et c'est ça que fait nous un pays voisin dans la République Dominicaine, malgré vents et marées, yo même yo a joué rôle pays dominant. Et c'est ça nous va le comprendre là. Haïti est à faillite, est à gangstérisé versus République Dominicaine, l'État dominant. Là, on a parlé de Haïti est à faillite, est à gangstérisé. Qui ça veut dire par rapport avec République Dominicaine, nous considérer comme État dominant? Nous, bien jodi, on a une situation qui est extrêmement compliquée en Haïti, côté que et nous avons une coalition G9 familiale. D'ailleurs, parler de G9 familiale. Nous avons plusieurs groupes armés, plusieurs groupes gangs qui réunis. Nous avons 400 Marozo, différents autres gangs en province qui sont extrêmement influents, qui ont même théorisé la population qui est dans la communauté, etc. Nous avons un groupe d'autorité qui décide eux-mêmes de faire silence. Par omission, yo pa agi, yo rete ap gade. En République Dominicaine, n'a pas d'accord que situation pa yo an li différent par rapport avec ça nous gen en Haïti. Et on pral comprendre. Pas fâché, pas courir voye pied, m'a expliqué ou pral comprendre. En Haïti, jodi an la, nous gagnen et gangsterisation. Nous gen ça nous rele, nous ka rele criminalité organisée. Et par rapport avec toute violence ça, par rapport avec insécurité, hein, qui politique publique l'État haïtien gagne, qui politique publique qui mette en place pour contrecarrer phénomène banditisme, pour contrecarrer phénomène insécurité, hein, comment la justice a fonctionné pour faire répression sous délinquants, sous bandits, sous chefs de gang, etc. Vous pouvez comprendre que en République Dominicaine gagne insécurité. OK. Gen délinquance. OK. Gen bandi. OK. Qui politique publique yo mette en place en République Dominicaine pour contrecarrer tout phénomène banditisme, tout phénomène de délinquance qui a évolué, qui a grandi République Dominicaine. Qui volonté acteur yo, qui volonté autorité yo gagne? C'est là pour nous centrer. Analyse nous, c'est là pour nous centrer toute idée pour nous comprendre que deux pays, c'est deux pays qui ont un passé historique tumultueux. C'est deux pays qui ont un passé historique qui crée un paquet et pensée raciste. C'est deux pays qui ont un passé historique vraiment qui crée un paquet de chimères. Le m'a parlé de chimères, c'est pas bandit, mais c'est par rapport avec émotion, par rapport avec pensée, idée, etc. Donc je dis en la faut positionner. Pas besoin on nationaliste, ou pas besoin faux nationaliste, ou pas besoin dominicain pour comprendre ça me va dire. Depuis date nous avons une sécurité en dedans pays, depuis date pépinière gang yo monter pour nous arriver avec ça nous gagne jodi en là, c'est parce que pas une réelle volonté par bon côté acteur. Pas qu'on réelle volonté pas bon côté acteur politique yo, parce que en pile nan yo a bay zam nan ghetto yo, en pile nan yo a bay yo gen kokoda yo gen rapport yo gen de très bonnes relations avec groupe gang yo, avec chef de gang yo, de même pour un paquet chef d'entreprise en dedans pays yo, de même pour un paquet et membre dans gouvernement yo comme d'habitude qui gen de très bonnes relations avec chef de gang yo, ça li crée un véritable problème. Li crée un manque de performance pour la police d'Haïti, pour PNH. Li crée un manque de performance et leur mission, leur opération, puisque gen moun qui infiltré, gen moun ka bay gang yo et renseignement, la police pral attaquer, leur mission, etc. Donc là, nous avons une situation côté que soit autorité ou fait silence,
soit autorité yo gen relation avec chef de gang yo, ou bien pas gen de réelle politique publique. Yo pas décidé faire réforme dans la police, yo pas décidé accompagner policier yo pas décidé mettre assistance sociale dans ghetto yo pas décidé créer centre de formation professionnelle, yo pas décidé mettre porte gon ensemble de revendications qui passé dans quartier populaire yo qui mandé pour l'état gain de vraie politique publique d'accompagnement. Pour l'État accompagner les gens qui vivent dans les quartiers défavorisés, au moins une façon pour regarder comment vous pouvez minimiser les risques, comment vous pouvez minimiser les enjeux, comment vous pouvez minimiser tout facteur qui a créé délinquance, tout facteur qui a créé bandit en dedans pays, au moins à réduire. Vous n'avez pas jamais fait rien. Chef de police vini, pas qu'à bailler rendement. Premier ministre vini, pas qu'à bailler. Nous passons joute, nous passons la paix, nous passons la fontan, nous passons séyant. Zéro rendement. Jusqu'à ce que nous tombions sur Ariel là, en même. Quatre blanches. Il y a quatre blanches dans le monde, il a fait ça, les gens, il n'y a pas de parlement pour elle, etc. Il n'y a pas de sénateur, il y a des sénateurs, il n'y a pas de règle en bas, il y a touché. Donc, pas gen moun k'ap barre Ariel Henry, mais ça pas empêcher le pa ka bay résultat, puisque jodi an nou gen groupe gang, nou gen des groupe gang qui yo même yo fait preuve d'autorité en dedans pays, qui montre c'est yo k'ap diriger, qui montre yo gen force, yo gen puissance de feu, etc. Yo paré pour yo goumer tout bon. Et en République Dominicaine, nous pral comprendre. M'a songé en 2005, gon réforme qui fait dans la police dominicaine là. Côté que yo décidé yo accompagner créer logements sociaux et pour policiers yo monter salaire policiers etc. en façon pour yo bail policiers yo un meilleur mental policier la gen la beaucoup plus comme te dit ça la beaucoup plus centré émotionnellement puisque le connaît ça son logement social li pa gen trop l'argent pour le bail etc. et gros accompagnement par bon côté autorité yo ça c'est une. Yo fait un plaidoyer sur question zam en République Dominicaine. Yo fait plaidoyer sur question alcool en République Dominicaine. Yo garder comment yo ka et gérer ça. On contrôle serré. Nous même nous gon laisser aller n'a ba ici. C'est pas que pas gen délinquance en République Dominicaine, plein délinquant, plein comment yo kon rele yo. Yo gon non yo ba yo oui et tikele. Plein tikele. Pas connait non yo. Ya, plein République Dominicaine, ou pas ka marcher à bijoux, ou pas ka marcher avec belle tenue, ou pas ka marcher avec téléphone etc. Gè délinquance. Gè quelques zones où qu'on passe en République Dominicaine, on contre avec tigelé yo, gè délinquance en même. Gè l'autre zone d'où qu'on est si ou aller au plus profond dans ghetto yo, ça qu'arrivé au kidnapper, ça qu'arrivé au viol etc. Mais ouais autorité yo préparé yo coordonné yo metté en façon pour regarder comment yo ka gérer problème yo gien réforme qui fait dans la police gien plan d'accompagnement qui fait gien plan de contrôle qui fait pour au moins pour voir comment yo ka bay résultat nous même nous pas jamais chercher résultat c'est ça qui différence l'on pays tant que Haïti qui pas jamais voulait toucher problème corruption qui a gangrené administration publique li. C'est un point fort qui a crasé système politique là, c'est un point fort qui a crasé économie politique pays, c'est un point fort qui a crasé stabilité pays, c'est un point fort tout qui a mis plus faiblesse dans l'administration publique là, dans institution d'État. Nous pourquoi jamais mesure pour dire grand rapport CSTC à cour des comptes bail sur tel monde qui impliqué dans corruption sur tel monde qui a gaspillé qui a gagoté l'argent l'état pour nous traîner moun sa devant la justice République Dominicaine yo fait autorité yo connaît la corruption yo fait et c'est une raison qui la cause aujourd'hui là Luis Abinader qui a pouvoir coller sur Haïti là Luis Abinader qui a pouvoir coller sur haïtien là faut qu'il connaît dans peine de papers non là dedans comme monde qui n'a blanchi l'argent. Non la dan comme moun qui impliqué dans paradis fiscal etc. Donc la kaypal malgré ouais jodi an la Dominique est considéré comme président, yo considéré comme principal moun kap défend yo qui supposé défend pays. Mais yo pas oublié dans qui ça, yo pas oublié dans qui ça impliqué.
Le fait que, de manière continue, ouais, Luis Abinader a foncé sur Haïti, il a besoin de remonter contre de popularité. Li. Ah oui. Et c'est sous doigt Haïti pour le faire, parce que je dis en région, il voulait montrer que li, c'est l'État dominant. Faut qu'on comprenne tout bagaille ça. Et maintenant, il y a chaque Haïtien qui vit en République dominicaine. Message ça li extrêmement important, faut qu'on tende et faut qu'on partage. Parce que samedi là, Dominicain yo lancé mouvement de protestation, yo lancé manifestation yo, parce que yo pas d'accord pour nous vin pour haïtien vin haïtianiser République dominicaine, vin haïtianiser pays yo la caillou, c'est la caillou lié, yo pas dans causer haïtien vin ba yo problème sous ti bout de terre. Donc moi même pas dans faire spot pour yo, pas dans faire publicité pour yo, c'est ça que fait me pas passer spot vidéo, m'a passer audio pour qu'attendre li et ou même qui comprendre ça y a dire de manière très claire ou ka expliquons l'autre monde, expliquons aux amis, expliquons aux femmes qui vivent en République dominicaine avant et de grâce. Pas sorti dans le jour samedi ça. Restez là quand nous n'avons pas besoin là rien, pas sorti en façon pour ne pas provoquer nous. Et nous connaissons depuis le passé dans la zone, nous avons provoqué nous très certainement pour créer problème, pour battre avec nous, pour malmener nous. Donc, c'est mettre pour veiller quoi, donc il faut que nous prudents dans le jour samedi ça là. Côté libre, je suis pour me partager avec nous pour nous entendre. Ok, on entend avec nous. Atención, pueblo dominicano, grupos patriotas y nacionalistas. El sábado 6 de noviembre, Día de la Constitución. Vamos al Palacio Nacional desde la Kennedy con Máximo Gómez, estación del Metro Juan Pablo Duarte a las 11 de la mañana. Digamos no a la haitianización de nuestra República Dominicana. Basta ya de la invasión extranjera. No somos Haití, somos República Dominicana. Invitan Movimiento No Tenemos Miedo RD, Grupo G10, Antigua Orden, Santiago 3030 y otros grupos pro patria. ¡Que viva la República Dominicana! Bien, ces gens sont de là, c'est Metco qui doit veiller. Faut nous extrêmement prudent avec Dominicain. On dit nous très clairement, Saint-Domingue, République Dominicaine, c'est République Dominicaine, ni pas Haïti, donc pas venir quitter Haïti, venir gâter la caillou pour eux. Donc faut nous prudent. Pas sortir sans besoin. Assurez-nous, nous toujours avec pièces, nous toujours avec tout et code identification, nous assurer que nous avec passeport, nous avec carte de résidence, tout ça qui est extrêmement important pour immigration toujours kembe sur nous. Bon, même si n'a dormi en République dominicaine, dormir avec une poche, nous pas qui leur vienne frapper votre, parce que moun sa yo vraiment prêt haïtien pour un grave problème dans Caraïbes là, bien voisin là tout, parce que nous plus près. Donc nous avons une situation qui est extrêmement compliquée. Et autorité nous au lieu que yo prend responsabilité nous voyons Ariel Henry lui-même c'est tibay tête baissée c'est la régler avec Luis Abinader et malgré ça ça pas empêché que Abinader toujours été sous position gayon assemblée qui pour faire grande rencontre qui pour faire avec différents et acteurs dans vie nationale dominicaine. Donc c'est après ça on va vraiment connait qui sort étudiant gagne qui sort et relations diplomatiques là on va gagner. Donc tout ça en entendre Ariel Henry a dit que toute bagaille fini et problème diplomatique entre deux pays au résout etc. c'est non parole dans l'air va dans l'air n'a fait plaisir on a ça parce que monsieur ça nous au plus prend temps yo à parler parole d'affaire que résoudre vrai problème pays en guerre. Et rapide vite, nous allons passer dans la rubrique qui sauve les. Numéro a pas changé, 38 96 38 19. Voyons voice, voyons message pour dire qui sauve les pour Haïti. Comment t'as remis Haïti, faire doléances au passé, faire revendication au passé. Dans problème difficile, problème insécurité, problème instabilité politique, bandit, gang dedans pays. Donc, vine parler, vine faire revendication au passé. Premier participant pour aujourd'hui là, c'est sûr que m'a regardé longueur message, c'est ça que fait dans début émission tout alerter nous ça, message al pas ka plus que 3 minutes de grâce. Nous voulons passer dans l'émission en respecter chouette là.
C'est depuis là qu'on commence à respecter les principes. Et puis par la suite, on a pensé et pays, on a pensé développement, on a pensé craser le système, on a fait le principe tout. Ok? Et nous prenons le temps des premiers participants pour aujourd'hui. Madame Yannick, je suis un pays d'Haïti, c'est comme ça. Là. Depuis que c'est l'exemple comme dirigeant, c'est comme ça là, toujours. Il y a toujours. Quand il maximise les peuples haïtiens. Même si un domaine qui a proposé la puissance de passer tout le pays pour Haïti, menti. C'est un domaine tellement maltraité haïtien. Même tout le temps, c'est un domaine. C'est devant, j'ai moins maltraité haïtien. Parfois, marcher dans la rue là. Et blanc pas paix campo, police pas paix campo là, li fouille ou li prend téléphone dans la poche ou li pour la mettre en prison, c'est pas rien fait non? Li just prend la mettre en prison pour le monde pas ou, vin retirer en prison pour balion yon 1000 pesos, yon 1500 pesos pour la gueule. Seulement ça, moun la police va marcher dans la rue seulement, pas besoin de faire rien. Et puis li just prend la mettre en prison. Sans pas qu'on ne fait rien. Et me songe 2017, époque m'a vin chez lui. Dès que laptop non même m'a marché comme ça me prend là et entre dans cette musique là dedans et puis me rencontre avec un moto policier qui gagne des policiers sur lui yo campé yo dit pour m'ouvrir laptop là pour me chercher une photo dans laptop là pour yo bagaille puis aussi laptop là pour moi vrai c'est comme besoin faire avec c'est mettre ca écouter me le ca là qui vient paraître sur motocyclette ni campé dit policier non. C'est là qu'il est mouté, c'est dans le cas il bagaille, il va aller avec eux, il est obligé de faire vague. Par contre, il faut aller passer ce domaine. Il a dit, oh, bandit, ceci, cela. On n'a pas été dans la boutique pour une grosse journée, comme ça, on marche, on parle dans le téléphone. Bandit apparaît, il prend le téléphone, on a mort. Vous comprenez? Ce domaine, pas un pays qui est corruption là-dedans. Tout le temps, il a bouché frontière, menti. Pas un bouché frontière, vraiment. Dominique, il a pour 500 gouttes de tout le monde. Vous comprenez? Dominique, il a payé 400 000 personnes le mois. Policière, et juste pour m'arriver, il a fait des portes 30 40 000 personnes avec Haïtien qui a porté dans le pays. Bien. Dominicain, question corruption, question faire l'argent, battable, bon, ça, ça me connaît, li, et c'est pratique qui courant. Surtout pour Haïtien qui a rentré en République Dominicaine. Il y a tout le monde pour le bras, ça. Ben, il y a bras, c'est net qui a réglé avec Dominicain. Et bon, nous allons regarder deuxième, ça joue tellement long. Bon, on est là. Salut Yannick. M'espérez bagaillou un petit peu. Bah, je l'ai dit, tout bagaille en forme pour vous. Parce que ça qui a passé, Haïti là, pas de monde qui est en forme. Haïti, c'est sauf qui peut. C'est protéger tête ou. Pas de sécurité, l'État pas prend responsabilité. Maintenant, regarde les vidéos là, où dit, on parle de revendication. Revendication, l'État, si vous tendez, là nous revendiquons, quand on va gagner, l'État, si vous tendez, le tendez, il bouquet tendez. Nous bouquet revendiquer, mais pas les gens qui ont rien qui fait. C'est comme si nous avions dit, on finit laver, mais on peut passer la terre encore. L'État n'a pas de responsabilité. Imaginez bien. Ma ville, le pays qui va payer, c'est Haïti qui paye. Moi, des passages côté Mia. Moi, j'ai pour m'aller à Haïti. À cause des gens qui ont fini manger pays. À cause des gens qui ont fini sous ces pays. Je ne fais pas envie pour mettre pied à Haïti encore. Côté Mia, pas pour moi. C'est pas pays ni, c'est Haïti pour moi, c'est Haïti PAM. Ok? C'est Haïti PAM. Guionlé, je ne vais pas prêter vivre ici, États-Unis encore. C'est pays m'a boué. Est-ce que j'en paye ailleurs là? Est-ce que je suis capable de dire comme ça, m'a quitté États-Unis pour m'aller vivre dans le pays? Non. À vivre dans le pays, moi, créer business, il y a des tuyaux, il y a craser business ou bon. Bon, il y a fin avec vous. Vous ne pouvez pas qui ça vous fait. Il y a un peu de monde qui pense que c'est les États-Unis, la Guadeloupe, le pays, tant que c'est le domaine qui a déporté. Vous pensez que c'est eux seulement déporté. Non. Haïti déporté pour petite pâle.
Haïti déporté pour sang. États-Unis déporté ou la Guadeloupe déporté ou Saint-Domingue déporté ou après un mois ou deux mois ou cherche une façon pour essayer de tourner encore. Mais Haïti pas de façon là pour sortir la donne pour retourner pas de façon. Haïti pas de porto non, Haïti pousse do aller. Autorité a créé toute situation pour fuir pays. Yo créé toute condition réunie pour chaque grand haïtien qui vit en Haïti pour ta lever bon matin pour dire bon et m'a quitté Haïti même l'homme pas d'accord côté m'a quitté pays parce que général bol. Toute condition réunie mais malheureusement tout haïtien pas ca aller, tout haïtien pas bon côté pour aller et c'est ça que fort ouais jodi hein ouais pays en tout haïtien ça là-dedans que tout monde ça qui vivre là-dedans toujours. C'est pas déporté Haïti déporté ou Haïti poussé d'autres autorités ont poussé ou ont créé toute situation pour fuir pays. Et mais sincèrement c'est bataille pour nous tourner la caille non, pour une bataille pour nous ranger pays, pour une bataille pour nous créer un mieux-être, pour nous créer de meilleures conditions de vie, pour nous tourner la caille non parce que nous pas qu'à faire toute vie nous dehors. Nous pas qu'à quitter pays pour aller chercher la vie meilleure dehors et puis pour la vie meilleure ça pour ne pas qu'à venir vivre li en dedans pays nous pour ne pas qu'à venir quoi retraite nous ouais problème yo maintenant c'est chercher solution pour problème yo solution yo pas nommer acteur politique parce que depuis bien longtemps sur scène politique là depuis bien longtemps c'est yo qui décide c'est yo qui prend engagement yo pas jamais résoudre quoi que ce soit donc c'est nous mêmes comme citoyens c'est nous mêmes qui dans diaspora c'est nous mêmes qui sous-sol là c'est nous mêmes qui pour collaborer ensemble pour chercher solution pour pays c'est exactement ça lié bien m'obliger là pour mettre un bout dans l'émission j'aime te dire le message en pile c'est vrai yo vini m'obliger au fur et à mesure m'a filtrer pour me chercher ça qui pas gain bouyo ça qui respecte principe yo ça qui pas trop long yo pour me faire passer pour me partager avec nous donc désormais même qui veut voir un message participer dans l'émission toujours songer le pas doit dépasser 3 minutes ou l'objectif li pas doit gain bêtise dedans li pas doit gain menace sur la vie moun n'a fait bagaille dans respect numéro a pas changé 38 96 38 19. Relais participer avec relais pour ne parler politique mais message pour passer dans l'émission son audio pour lier son voice pour lier en façon pour le capacer et là on a mis un bout dans l'émission rendez-vous en licasté pour demain sur même chaîne dans la même l'heure des micro présentations c'est toujours même Yannick la même voix rien pas changé merci tout le monde à très bientôt. Eh bien, je dis à la, moi j'ai deux produits, je viens présenter nous. Bagay sérieux, net, pas gen menti dans ça. Une pommade qui rele Genzouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger pénion. Ah, ça t'a dit ça. Donc, monsieur, madame, nous sauver. Donc, pas gen question plein, et zouti monsieur, li piti, li kout, la baye problème, non. Genzouti la, lap aide ou. Entre 30 à 90 jours, ou après 3 à 5 cm. Plein, fini, corvée, fini. Et d'ailleurs, il n'y a pas de effet secondaire. C'est produit tout en fait naturel, 100% organique. Et d'ailleurs, tout le monde qui a servi avec, tout garçon entre 15 à 75 ans, ou qui utilisé 15 outils, ou a besoin bon genre résultat d'ailleurs. Pommade la parler de déjà. Pommade la parler pour tête li déjà. Deuxième produit, li rele Genbon. Son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles. Li la li même, la pour revitaliser quoi, la pour augmenter libido, la pour augmenter érection, la pour augmenter bon. Nous d'ailleurs non on parler de li Genbon. Koun ya ka prend médicament ça, ou gen bagay nan mon pour frapper. Donc, monsieur dame, pas nan fè korvé, pas nan fè korvé à la, parce que gen produit pour ou mpote produit pour ou, ou ka rele nan 37-55-46-06 sou en Haïti, 37-55-46-06 sou en Haïti, ou bien tout sou nan international, ou ka rele nan 514-886-97-76, 514-886-97-76, ou bien visite website lan pou pi facile, www.zestofmoringa.com, zestofmoringa.com. Ou gade la kap passe nan ekran, rele, ekri, mes amis al pran produit yo, wap ba mwen rezultat yo nan bon timanit.
Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis il fait 2 heures de chez Chanel Paula pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon Éditorial, nous bras la balle pays, nous bras le débat, c'est toujours même Yannick l'en même voix. Pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.